Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mes 7 astuces pour avoir un bronzage parfait qui dure plus longtemps. Ce sont des astuces que j'ai expérimentées et que j'utilise depuis plusieurs années et ce sont des astuces qui marchent. Car grâce à toutes ces astuces que je vais vous donner, j'ai un bronzage qui dure beaucoup plus longtemps. Donc c'est parti. La toute première astuce que je peux que vous conseiller et qui marchera à tous les coups, c'est évidemment de vous faire des gommages plusieurs fois par semaine. Donc moi j'en fais une à deux fois par semaine après et avant l'exposition au soleil. Par plusieurs bronzages, par exemple vous partez une semaine au soleil, vous faites un ou deux gommages avant et plusieurs gommages après pour ne surtout pas agresser votre peau, car si vous faites des gommages et vous exfoliez votre peau pendant l'exposition, vous risquez d'abîmer votre peau et de l'agresser, elle qui est déjà agressée par le soleil. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'en faire très régulièrement. Grâce à cette petite astuce, vous aurez un bronzage qui sera beaucoup plus lumineux, qui restera plus longtemps et qui sera beaucoup 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 plus beau. Autre conseil hyper important, c'est évidemment hydrater sa peau avant, après, pendant l'exposition au soleil. C'est hyper important. Utiliser de l'après-soleil, un lait pour le corps classique, une huile pour la douche. Voilà, vous avez vraiment le choix. Mais n'oubliez pas d'hydrater votre peau parce que votre peau est agressée par le soleil et elle est abîmée. Et si vous ne voulez pas vous retrouver avec une espèce de peau croco qui craquelle et tout, c'est vraiment pas beau. Donc hydratez-la, voilà, hydratez-la. Autre conseil, c'est mettre de la crème solaire. Voilà, donc ça peut paraître un peu bête, mais si vous ne mettez pas de crème solaire, vous aurez un bronzage qui sera beaucoup moins uniforme, qui va rester beaucoup moins longtemps. Vous aurez des plaques rouges, vous aurez des endroits où vous allez plus bronzer que d'autres. Ça ne va vraiment pas être joli à regarder. Donc voilà, mettez de la crème solaire au moins un indice 20 ou 30, tout dépend de votre type de peau. Mais allez-y avec la crème solaire, n'hésitez pas. Le bronzage durera beaucoup plus longtemps et sera beaucoup plus joli. Petit conseil super important, c'est se laver avec un gel douche hydratant parce que cela va vraiment permettre de venir réconforter l'épiderme de votre peau qui a été agressée par le soleil toute la journée. Donc quel gel douche utiliser? Évitez les gels douches trop agressifs pour la peau qui contiennent beaucoup de produits chimiques. Je vous conseille des gels douches peut-être sans parfum mais plus nutritifs pour la peau qui vont moins agresser votre peau. Ensuite, cinquième conseil, c'est de venir Autre petit conseil, le cinquième, c'est venir boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, car cela va permettre vraiment de irriguer les cellules de votre peau et votre peau sera beaucoup plus belle, votre bronzage beaucoup plus joli et vous allez voir, ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à boire pendant, avant, après l'exposition, ça rafraîchit, ça fait du bien. Au soleil, on crève de chaud, donc buvez, 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 surtout de l'eau, évitez les sodas et tout parce que ça c'est vraiment pas bon, mais buvez de l'eau à fond la caisse et vous allez voir, vous me remercierez plus tard. Non mais non, non, l'alcool ce n'est pas de l'eau. Plante. Putain, excusez-moi, je me réinstalle. Un autre conseil hyper important qui va vraiment vous permettre d'avoir un bronzage plus lumineux, plus beau, beaucoup plus longtemps, c'est tout simplement d'utiliser des laits et des crèmes qui sont prolongateurs de bronzage. En fait, leurs formules contiennent vraiment des actifs qui stimulent les mélanocytes. Donc cette fois je vais pas y arriver, je vais la lire, je suis désolée, ça fait pas pro, mais je n'arrive pas à dire ce mot. Leurs formules contiennent des acides qui stimulent les mélanocytes et cela permet de continuer à synthétiser de la mélanine. Donc voilà, grâce au lait et crème simulateur de bronzage, si vous en appliquez par exemple 2 semaines après l'exposition continuellement et que vous exposez pendant 20 minutes minimum, vous allez avoir votre bronzage qui va durer beaucoup plus longtemps, jusqu'à 6 semaines, car en fait de la mélanine va être produite et cela va vous donner un effet bronzé très longtemps. Un petit conseil, putain je suis à poil hein. Un petit conseil, on n'y pense pas forcément, mais consommer du bêta-carotène est un conseil qui marche à tous les coups. Donc de la bêta-carotène est présente dans plusieurs fruits et légumes à aspect orange ou rouge, comme par exemple vous allez en avoir dans les tomates, dans le melon, dans les épinards, dans les carottes et dans le persil. Donc voilà, vous avez vraiment plein de légumes et fruits qui en contiennent et cela va vraiment permettre de prolonger le bronzage, vous donner un air plus orangé, plus bronzé. Et voilà, c'est tout bénef, donc allez-y, allez-y là-dessus.
j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres astuces pour prolonger le bronzage. Moi, je vous fais de gros bisous. Profitez bien de vos vacances et à très vite. Bye.